Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de lancement de deux outils d'intelligence artificielle, ISA et AI. Mon nom est Éric Aymon, je suis directeur du recrutement des affaires corporatives et des communications au Cégep de Chicoutimi. Avant de commencer la conférence, je vous explique rapidement comment nous allons fonctionner ce matin. Trois personnes prendront la parole pour vous présenter nos deux outils. Par la suite, nous présenterons une petite vidéo qui vous donnera un peu plus de renseignements concernant ces outils. Et nous terminerons cette conférence de presse par une période de questions réservée aux médias. Alors, les trois personnes qui prendront la parole tour à tour pendant cette conférence de presse sont le directeur général du Collège de Rimouski, M. François Dornier, le directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil, et le président de l'entreprise Optania, M. Louis-Raphaël Tremblay. Alors, sans plus tarder, je souligne d'ailleurs en passant que M. Dornier est accompagné de M. Hugo Leblanc, directeur adjoint à la direction des services aux étudiants au Collège de Rimouski. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Dornier. Alors, bonjour tout le monde. Il est d'usage dans une conférence de presse de souhaiter la bienvenue à tout le monde et puis de dire qu'on est heureux de vous voir parmi nous, ce qui est un peu virtuel et toujours encore, malgré l'année qui est passée, un peu étrange. Mais néanmoins, on est tout à fait heureux de vous savoir présent parmi nous aujourd'hui. Alors, le Cégep de Chicoutimi et le Collège de Rimouski sont vraiment très fiers de s'unir aujourd'hui pour lancer deux outils innovants qui utilisent l'intelligence artificielle pour contribuer à la réussite et au soutien, pardon, psychosocial de nos étudiants. Nous sommes dans ce domaine parmi les premiers, voire des réels pionniers. Un clin d'œil à l'équipe sportive de Rimouski. Et nous sommes vraiment enchantés de pouvoir vous les présenter ici aujourd'hui. Le Cégep de Chicoutimi et le Collège de Rimouski sont des premiers à utiliser l'intelligence artificielle afin de mieux soutenir les communautés étudiantes. Nous avons travaillé pour ce faire avec une entreprise de Saguenay, Optania, qui a approché les deux collèges avec deux idées de développement d'outils. Alors, un qui s'appelle Ali, qui a été développé avec le Collège de Rimouski, et le second qui est ISA, qui a été développé en collaboration avec le Cégep de Chicoutimi. Ces deux outils viennent appuyer le travail des spécialistes qui œuvrent au service des étudiants et des étudiantes afin de bonifier l'expérience collégiale de nos jeunes. Plus spécifiquement, au Collège de Rimouski, nous avons développé avec Optania une application bienveillante de soutien psychosocial et on pourrait même dire de divertissement jusqu'à un certain point, vous le verrez tout à l'heure dans le vidéo, qui est dénommée Ali. C'est une application qui est téléchargeable gratuitement à travers un téléphone intelligent et Ali offre de l'information pratique pour mieux vivre l'adaptation aux études collégiales. Ali offre des trucs, des astuces, des ressources d'aide concernant la vie de tous les jours, le quotidien des étudiants, mais surtout les enjeux psychosociaux et facilite l'orientation des étudiants qui ont certaines difficultés vers les services d'aide psychosociaux du Cégep. Au Cégep de Rimouski, nous avons lancé le robot conversationnel Ali en novembre dernier et les réactions des étudiants sont extrêmement positives. On en est tout à fait enchantés. Nous avons même eu des étudiants qui ont déjà été orientés vers des services d'aide. En fait, Ali joue le rôle d'un intervenant qui échange dans les corridors avec les étudiants, mais il peut le faire 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et c'est un ajout dans l'équipe qui est fortement apprécié. Ali, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne fait pas d'intervention. Il dialogue avec les étudiants et trouve dans ces échanges les éléments clés qui permettent de détecter des difficultés et un besoin de l'étudiant avec qui il converse. Un besoin d'interagir avec un de nos spécialistes. Évidemment, les conversations d'Ali sont encryptées, donc nous n'avons pas accès, personne n'a accès aux conversations entre un étudiant et Ali. Donc, c'est simplement l'intelligence artificielle qui établit la situation et qui s'assure de nous signaler qu'un étudiant a besoin d'aide et de prendre rendez-vous avec un de nos intervenants.
Ce projet a démarré avant la pandémie et c'était déjà pour nous une excellente idée avant la pandémie. Et je vous dirais qu'en situation de pandémie, pour le peu que ça va encore durer un certain temps, pour ce qu'on en sait, c'est un outil qui a gagné en importance et je vous dirais en intérêt pour le Cégep. Pour nos étudiants qui ne sont plus présents dans nos murs, dans nos corridors, avoir Ali dans l'équipe, c'est un élément extrêmement positif. J'aimerais au passage remercier l'équipe du Cégep qui a collaboré à ce projet, un projet qui était en dehors de nos sentiers battus habituels, qui amenait les gens en dehors de leur zone de confort, que ce soit l'équipe informatique, l'équipe d'aide psychosociale, les centres d'aide, nos API, tous ceux qui sont des intervenants habituels avec les étudiants ont collaboré étroitement au développement de Ali. Ali, du côté d'Optania, évidemment, a été élaboré grâce à une collaboration d'une équipe clinique composée de psychologues, de travailleurs psychosociaux, sexologues et intervenants, évidemment, du collège, comme je viens de le souligner. Les étudiants ont également participé activement à l'amélioration de l'application et à son raffinement. Et comme Ali est un outil basé sur l'intelligence artificielle, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années à venir, il va se raffiner. Et son dialogue va devenir de plus en plus perspicace et va être en mesure d'être encore plus efficace, évidemment, à nous aider dans le travail de soutien à nos élèves. Alors, nous sommes très fiers de cette réalisation et nous avons bien hâte de voir Ali grandir à l'intérieur de notre établissement. Alors, merci, M. Dernier. Dernier, excusez-moi. Avant de céder la parole à M. Gobeil, je voulais préciser aux médias que dans la zone de clavardage sur la plateforme Zoom, vous allez retrouver deux communiqués de presse et une fiche descriptive qui vous donne évidemment quelques détails supplémentaires. Alors, je cède maintenant la parole au directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil. Merci, Éric. Salutations à toutes et à tous. Je vais faire également comme mon collègue François Dornier de Rimouski, je vais faire des salutations protocolaires et vous dire qu'on est aussi très heureux d'être présent à cette conférence de presse virtuelle en étant en lien avec nos amis de l'autre côté du fleuve avec qui on a collaboré pour la mise en place d'un outil de veille active pour la réussite de nos étudiants, l'outil ISA. C'est une journée drôlement fabuleuse pour nous parce que c'est finalement l'aboutissement d'une idée qui a émergé dans les bureaux de l'entreprise Optania, une entreprise saguenéenne spécialisée dans le milieu de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Cette idée a été discutée dans un premier temps en disant « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir mieux accompagner la réussite de nos étudiants? Est-ce qu'on pourrait justement utiliser ce que vous avez déjà fait par le passé pour favoriser la réussite de notre communauté collégiale? » Et de fil en aiguille, on a amorcé les discussions, on a finalement parvenu à une entente pour en arriver à la création de cet outil, ISA, qui est l'interface de suivi académique qui va accompagner l'ensemble de nos étudiants tout le long de leur parcours ici au Cégep de Chicoutimi et les autres cégeps aussi qui adopteront un outil similaire. Pour vous dire que ISA, une des particularités, c'est que dès l'arrivée de l'étudiant, on est en mesure de pouvoir accompagner celui-ci dans sa réussite scolaire. C'est-à-dire qu'on utilise les données de son passage au secondaire et les autres données qu'on peut accumuler dès sa rentrée pour pouvoir s'assurer que l'étudiant qui pourrait être en situation d'échec ou d'abandon puisse être rapidement pris en charge par les équipes du collège, tant les équipes pédagogiques que les enseignants. Cet outil, on vous le dit tout de suite d'emblée, ne remplacera pas les humains. Souvent, les gens parlent de vont parler de veille active ou d'intelligence artificielle avec une certaine crainte en regard de finalement, c'est Big Brother, ils vont venir prendre notre place, ils vont venir nous… Non, je pense que
elle vient plutôt supporter, appuyer nos actions de l'ensemble des équipes professionnelles de notre collège et pour assurer un meilleur suivi à l'ensemble de notre communauté. Moi, je pense que c'est une percée drôlement intéressante et unique dans le milieu de l'enseignement supérieur. Et pour ceux qui se rappellent, lors de l'arrivée en poste de notre ministre, Mme Danielle McCann, elle avait mis dans son plan d'action la réussite comme étant un des enjeux premiers à aborder. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus triste que de voir un étudiant qui commence un parcours académique au collégial et qui finalement, en cours de route, va abandonner celui-ci avec un quasi-diplôme, un demi-diplôme ou quelques compétences accumulées. On veut vraiment s'assurer que celui-ci ou celle-ci puisse se rendre jusqu'à la finie, c'est-à-dire la finalité, pardon, l'obtention de son diplôme. Également, je tenais à souligner, parce que ce travail-là, il ne s'est pas fait seulement avec l'entreprise, beaucoup d'acteurs de notre collège ont contribué, que ce soit de la direction des études, que ce soit de la direction des services à l'étudiant et même des professionnels associés à la direction générale. On a fait beaucoup de travail, vous savez, c'est un processus itératif, donc beaucoup de travail pour s'assurer de l'efficacité de l'outil. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec son lancement dans notre collège, à la session d'hiver 21, on est emballé par les perspectives que cet outil-là nous offre, puis on ose espérer qu'elle aura un impact majeur sur la réussite des étudiants de notre collège. Merci. Merci, M. Gobeil. Alors, le troisième intervenant ce matin est le président d'Optania, M. Louis-Raphaël Tremblay. Bonjour à tous. Merci, M. Aymon. Je vais me joindre au protocole en vous souhaitant la bienvenue à tous également. C'est à titre de partenaire technologique et d'expert en intelligence artificielle appliquée à l'éducation qu'Optania est extrêmement fière d'avoir participé à un projet innovant, un projet d'innovation à Rimouski et à Chicoutimi de manière conjointe. Vous savez, là, on parle beaucoup d'abandon, on parle énormément d'abandon, on en parle un petit peu au secondaire, ces statistiques-là explosent au collégial, mais l'abandon, c'est la fin du spectre. Travailler sur l'abandon, on ne peut pas travailler sur l'abandon. Puis pour faire un peu du pouce sur ce que mes prédécesseurs, M. Dornier et Gobeil, ont mentionné, les missions éducatives des milieux, c'est de travailler plutôt sur des axes de la persévérance éducative. Puis c'est comme ça, je me rappelle les discussions qu'on a eues voilà, tout près de 2 ans avec les deux milieux. On savait qu'on avait en main 2 morceaux de casse-tête. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'éducation. Ça fait plus de 10 ans qu'on implante des technologies directement dans les milieux d'éducation, principalement au primaire et au secondaire. Et on avait approché les deux milieux pour leur dire, imaginez si on était en mesure d'agir plus profondément dans les deux principaux axes de la persévérance éducative, qui est la détection rapide des étudiants à risque et le soutien en continu de l'entièreté d'une population étudiante. C'était pratiquement utopique, mais d'agir avec autant d'implantations à l'intérieur du milieu, mais on avait les moyens de le faire, puis on avait surtout des milieux qui étaient prêts à soutenir cette innovation-là. Je me rappelle de ce que M. Dornier nous avait mentionné, M. Gobeil. Pourquoi pas? Pourquoi qu'on n'essayerait pas? M. Dornier l'a dit au début, essayez autre chose, essayez des nouvelles façons de faire. Ça fait plus de 20 ans que les statistiques sont pareilles, qui ne changent pas d'année après année. Puis avant la pandémie, c'était des statistiques alarmantes. La pandémie a mis en lumière plusieurs éléments qui sont encore plus alarmants, mais la problématique reste la même. Comment on fait pour détecter vite, prendre en charge et d'un autre côté du spectre, offrir des outils qui, en continu, sont en mesure de soutenir l'étudiant, puis tranquillement l'amener à réfléchir sur comment je demande de l'aide, comment je vais communiquer avec un intervenant. Est-ce qu'il y a des intervenants dans mon collège? Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a chez nous une équipe de feu qui a ça dans son ADN de pouvoir faire du bien, d'apporter de la bienveillance, de créer des outils qui ont des impacts. Et on a eu une chance extraordinaire d'en avoir une à côté de chez nous et une qui n'est vraiment pas à côté de chez nous, à Rimouski, mais qui ont la même passion. Puis M. Gobeil le mentionnait tout à l'heure, il y a beaucoup de monde, pratiquement une vingtaine de personnes dans chacun des établissements qui ont participé très activement dès les premières itérations de développement. On a proposé des solutions, mais les moyens d'amener ces solutions-là doivent être pris en compte parce que justement, ce que M. Gobeil disait tout à l'heure, l'importance de ne pas avoir le sentiment de remplacer quelqu'un, mais de soutenir quelqu'un. Pouvoir offrir un outil qui accompagne l'étudiant 24 heures sur 24, on ne remplace pas personne.
d'offrir des outils qui sont en mesure de détecter rapidement puis de dire aux intervenants, voici les étudiants qui ont besoin d'aide maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? Ça, c'est pas l'outil qui fait ça, c'est les intervenants en place. Ça change quelque peu les pratiques, mais ça décuple les possibilités des gens en place, puis on est vraiment très fiers d'avoir fait ça. Évidemment, qui parle d'intelligence artificielle, parle de gestion des données. C'est un mot qui va très bien ensemble, surtout lorsque c'est mal fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on est en éducation, ça fait 10 ans qu'on traite la donnée éducationnelle avec la sensibilité qu'elle mérite. Et surtout, on respecte les protocoles de sécurité des collèges en place. La donnée n'est pas chez nous, la donnée est dans chacun des établissements et elle est traitée de la même façon que les établissements gèrent déjà ce type de données-là. Maintenant, il y a juste terminé en disant que les deux milieux avaient dès le départ le souci de dire « on ne fait pas un outil pour nous ». On est, oui, les premiers à créer un outil qui va rayonner et je leur en remercie grandement. Mais il y avait les deux le souci, les deux participent à des tables interprovinciales sur la persévérance éducative à tous les niveaux, puis il y avait dès le départ le souci que cet outil-là soit mutualisable et dès qu'il est implanté dans leur milieu, puisse être transféré aux autres milieux qui en font la demande. Et c'est maintenant le cas. On est très fiers de ça. On est la première province au Canada à créer un outil qui est en mesure de soutenir efficacement des axes principaux de la persévérance éducative. Et qu'est-ce qui s'en vient? Bien, maintenant que les deux collèges ont participé à la création de l'outil, maintenant, les deux collèges participent avec d'autres collèges, soit dit en passant, qui commencent à signifier d'intérêt assez sérieux, à comment ces deux outils-là peuvent commencer à créer une synergie. Ce que ISA détecte, comment ALI peut soutenir l'étudiant au même moment et commencer le processus de mobilisation pour mentaliser l'aide qu'il va recevoir des intervenants. On est vraiment plus loin que ce qu'il est déjà en place, mais la technologie le permet, puis on est très fiers de ça. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, comme annoncé au début de la conférence de presse, nous allons maintenant passer à une petite vidéo que nous avons préparée pour vous donner encore plus de renseignements sur les deux outils. L'intelligence artificielle, un outil innovant au service de la réussite de nos étudiants. L'une des missions de nos établissements d'enseignement est de favoriser la diplomation de tous nos étudiants. Le Cégep de Chicoutimi, le Collège de Rimouski et l'entreprise Optania ont travaillé à la réalisation de nouveaux outils technopédagogiques destinés à soutenir leurs étudiants dans leur réussite scolaire. Grâce à ISA, une plateforme de veille active prédictive, et ALI, un robot accompagnateur bienveillant, les différents intervenants impliqués dans la réussite scolaire des étudiants seront mieux outillés que jamais pour accompagner ces derniers et les guider sur le chemin de la diplomation. ALI est une application mobile qui permettra aux étudiants d'échanger par texto avec un robot conversationnel, accompagnateur et bienveillant. Cet outil sympathique invite l'étudiant à discuter de tout et de rien et à aborder simplement les sujets qui peuvent le préoccuper dans son quotidien. Partager ses inquiétudes et ses problèmes peut être un premier pas pour diminuer le stress et explorer des pistes de solutions. La personnalité d'ALI a été créée pour favoriser un sentiment de confiance avec les étudiants utilisateurs. Une équipe d'experts multidisciplinaires s'est assurée de rédiger du contenu réaliste pour qu'ALI puisse entretenir des conversations crédibles et donner des conseils pertinents aux étudiants. L'outil peut aborder une multitude de sujets, partager de l'information et proposer des segments d'aide ou des références directes vers les services de soutien disponibles dans l'établissement d'enseignement. ALI offre à la communauté étudiante un soutien continu et fait le pont, au besoin, avec les intervenants psychosociaux et pédagogiques du collège. Les enjeux psychosociaux, il y en a différents, mais il y en a surtout dans la transition là, du secondaire, aller au cégep, au collégial. Le stress est quand même présent. La solitude, on parle beaucoup d'anxiété. C'est un âge, en fin de compte, où est-ce qu'on se développe, on apprend à se connaître, on fait des expériences. Je pense qu'ALI peut être un bel outil pour explorer cette nouvelle vie étudiante au cégep.
Ali, c'est extrêmement facile d'entrer en contact avec. Le premier contact se fait de manière très naturelle. Tu vas pouvoir lui parler de tes problèmes, de tes tracas du quotidien. Bien, on souhaite en fin de compte que Ali soit un déclencheur pour un processus de demande d'aide, un processus d'accompagnement. Tu vas pouvoir prendre ton premier rendez-vous puis être prise en charge vraiment dans les meilleurs délais. Ali n'est pas un intervenant, mais Ali peut être la porte vers un intervenant, par contre. Ali, je pense, va répondre aux besoins de la génération présente et à venir. Ali va te parler avec un langage très familier. Il va te faire des blagues, il va utiliser des gifs, des memes. Depuis le début, là, ça fait peut-être quelques semaines, là, on voit déjà là, une augmentation de demandes par le biais d'Ali. Bien, Ali, c'est d'après moi, l'une des meilleures portes ouvertes pour commencer à prendre soin de ta santé mentale. Moi, en tant qu'intervenante, en fin de compte, Ali est un moyen de plus pour entrer en conversation ou en contact avec l'étudiant. C'est un outil pour moi aussi, pas juste pour les étudiants. Le télécharger, c'est l'adapter. Grâce à l'intelligence artificielle, ISA est une plateforme qui est en mesure de prédire que des étudiants vont potentiellement se retrouver en situation d'échec ou d'abandon, et ce, dès leur entrée au cégep. L'outil rassemble une multitude de données liées à la réussite, permettant d'obtenir un profil détaillé des étudiants et ainsi d'établir des prédictions pour chacun d'eux. Son but est de faciliter l'identification et l'encadrement des étudiants à risque afin de maximiser leurs chances de diplomation. Les outils technologiques développés permettront aux spécialistes des collèges de travailler en amont avec les étudiants, ce qui est innovant en milieu des études supérieures. Ce projet-là vise à appuyer la plus importante mission de notre cégep, soit la réussite de l'étudiant, la poursuite de ses études jusqu'à la diplomation. ISA va venir vraiment aider au niveau de tout le processus du suivi de la réussite. Donc, ça va nous permettre, au conseil pédagogique, mais à tout le monde au cégep, de savoir beaucoup plus rapidement, en début de session, les étudiants qui vont avoir besoin d'être suivis. Parce qu'on va avoir son historique scolaire du cégep, les sessions passées, ou même secondaire. Et en temps réel, ISA va rajouter à ça tout ce qui est résultats, donc au fur et à mesure que les enseignants ont des résultats, en plus des absences ou même d'interventions qui ont été faites par différentes personnes du cégep. À partir de là, donc, le logiciel va comparer cet étudiant-là avec ses données à lui, avec tous les autres étudiants qui se rapprochent, on va dire, un peu de son profil. Donc, on obtient une tendance, finalement, pour l'étudiant. Est-ce que cet étudiant-là est en voie de réussite? Est-ce qu'il est en voie d'abandon? Puis dès l'arrivée, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est dès l'arrivée au cégep, on a une idée globale pour notre étudiant. Puis chacun va pouvoir entrer, dépendamment de son corps de métier, à différentes interventions. Si l'étudiant, par exemple, rencontre la travailleuse sociale, elle va pouvoir indiquer qu'elle a eu une rencontre avec lui. Les détails ne seront pas nécessairement visibles. On va voir qu'il y a eu une rencontre possible. Donc, ça nous donne une idée. Si l'étudiant, dans le fond, a déjà eu des interventions, il y a déjà quelqu'un qui le suit ailleurs dans le cégep, est-ce qu'il y aurait besoin d'aide supplémentaire? Puis on peut même s'envoyer, en fait, là, des infos parce qu'on va avoir des notifications. Un des objectifs d'ISA, c'est d'offrir un meilleur soutien aux enseignants. La plateforme permet à une équipe de professionnels comme les aides pédagogiques, les conseillers en orientation, psychologues, travailleurs sociaux, d'intervenir en amont auprès des étudiants qui en ont besoin, ce qui va faire en sorte que les enseignants vont pouvoir se concentrer sur leur tâche qui est d'enseigner. À mon sens, c'est la première fois qu'un outil d'intelligence artificielle comme ça est utilisé en enseignement supérieur. Et c'est clair que ça va nous aider grandement dans notre travail là, pour amener les étudiants au bout de leur projet d'études. Ce projet-là, il est vraiment au cœur de la mission d'un cégep, soit la réussite des étudiants dans leurs études supérieures jusqu'à la diplomation, bien entendu. Alors, nous sommes de retour. Ça nous amène à la période de questions qui, je vous le répète, est réservée aux représentants des médias. La façon dont nous allons fonctionner, si vous êtes moins familier avec la plateforme Zoom, en bas à droite, vous avez une zone réaction. Vous pouvez lever la main et à partir du moment où vous aurez levé la main, nous serons en mesure de vous céder la parole et vous pourrez poser vos questions et si possible, identifier la personne à qui vous, vous adressez cette question. Alors, s'il y a des gens qui veulent... Alors, la première question va aller à M. Martin Ross. Bonjour, Martin Ross de Nouveau Télé à Rimouski, CFTF. Ma question, c'est que je trouve que ce sont deux superbes applications. Pourquoi ne pas les mettre en application, les deux, au sein d'un même cégep pour
que tout le monde puisse en profiter, alors que le cégep de Rimouski profite d'Ali et le cégep de Chicoutimi profite d'Isa? Bien, je peux répondre. Tout simplement, je vous rassure tout de suite, les deux outils vont être en application dans nos deux collèges. Donc, Isa comme Ali va être utilisé au cégep de Rimouski. Puis, on a même une collaboration entre nos équipes pédagogiques pour s'assurer justement du déploiement le plus efficace, autant de Isa à Rimouski que d'Ali au cégep de Chicoutimi. En question complémentaire, comme ça a été mis en action déjà depuis novembre, quels sont les résultats peut-être que vous avez jusqu'à présent? Bien, jusqu'à présent, c'est évidemment, c'est embryonnaire. On commence à mettre les choses en place. Je sais qu'Ali a déjà, puis comme on le voit dans la vidéo de présentation, Ali a déjà un impact significatif au sein du cégep de Rimouski. Nous, on débute l'entrée d'Ali dans notre collège dans les prochains jours. Et pour ce qui est d'Isa, on commence. Mais les scénarios ont été validés, entre autres, avec des protocoles de recherche. Donc, on a utilisé des données anciennes du collège pour pouvoir voir l'efficacité, entre autres, de la plateforme ISA. Et on était drôlement impressionnés par les résultats de ce qui a été réalisé. C'est-à-dire on a eu des taux de prédiction au-delà de 85-90%, notamment pour les situations de réussite, puis au-delà de 75% pour les situations d'abandon et d'échec. Donc, c'est emballant. Puis, puis je pense que François l'a évoqué tout à l'heure aussi, plus on va avoir l'utilisation va se compléter. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est ce qu'on appelle un processus de deep learning. Il va aller chercher de plus en plus d'informations pour raffiner encore mieux nos capacités prédictives et de veille active auprès de notre population étudiante. Peut-être un complément d'information de M. Dorny. Oui, merci. J'ajouterais que pour les premières semaines, les premiers mois d'utilisation, on a 15% de nos étudiants qui ont téléchargé Ali. Évidemment, on était en fin de session au mois de novembre, on comprend qu'ils ont d'autres choses qui occupent leur pensée et leur planification académique. Donc, en ce début de session, là, on a 300 étudiants qui ont téléchargé puis qui utilisent Ali, et ça va en augmentation, là, évidemment, au fur et à mesure. Puis là, à partir du moment où on fait le lancement officiel, ça va aller en augmentant de manière significative. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pierre Michaud. Alors, M. Pierre Michaud. Oui, Pierre Michaud du journal Le Soir à Rimouski. Donc, pour aller un peu dans le même sens que la question de mon collègue, M. Ross, dans le fond, je me demandais pourquoi ils avaient fait différent tous les deux. Je ne sais pas, peut-être je vais laisser la parole à François, puis je pourrais répondre par la suite. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Ce que je me demande, c'est pourquoi on n'a pas fait la même application pour les deux collèges et pourquoi donc on a fait deux solutions complètement différentes au lieu de les faire similaires? Non, il faut comprendre que ce sont deux applications qui font deux choses différentes. Sauf qu'au lieu de faire travailler nos équipes, par exemple à Rimouski, sur deux applications d'intelligence artificielle, on s'est concentré sur le robot conversationnel pendant que Chicoutimi travaillait sur l'outil d'analyse des profils étudiants. Et puis, une fois que les travaux ont été complétés, bien évidemment, on s'échange l'outil complété dans un établissement. Donc, nous, on bénéficie de l'outil développé à Chicoutimi, alors que Chicoutimi va pouvoir utiliser l'outil à Ali qu'on a développé au cégep des Rimouski. À partir de quand on va pouvoir utiliser les deux applications dans les deux collèges? Bien, Ali est déjà en utilisation à Rimouski. Oui. Il va commencer, comme le disait mon collègue de Chicoutimi, va commencer dans les prochains jours, Ali, à Chicoutimi. Et inversement, on va commencer dans les prochaines semaines à utiliser ISA, alors qu'ils sont un peu plus avancés à Chicoutimi. Merci beaucoup. Peut-être M. Tremblay. Oui, peut-être juste un petit complément d'information pour M. Michaud. Ces deux chantiers colossaux, quand même, d'avoir créé ces deux applications-là, c'est énormément de travail. C'est deux pans technologiques qui sont très différents l'un de l'autre, mais extrêmement complémentaires, comme je le disais tout à l'heure. C'est deux morceaux de casse-tête, mais c'est deux morceaux de casse-tête qui sont trop gros à concevoir pour un collège. C'était l'idée, dans le fond, de fragmenter un peu et d'optimiser les équipes.
pour en arriver rapidement à des solutions, parce que c'est, ce genre de chantier-là pourrait prendre des années si ce n'en était pas de l'apport technologique avec lequel on avait travaillé en R&D depuis 10 ans. Mais de faire ces deux éléments-là de front à l'intérieur d'un seul collège, je pense que c'était totalement irréalisable, parce qu'il y a quand même une gestion de changement à l'intérieur des collèges qui est à orchestrer aussi, parce que c'est nouveau de concevoir qu'on peut préparer nos services en fonction de ce qui a été prédit avant même que l'étudiant arrive, c'est un changement en soi. Puis d'offrir du soutien en continu à l'entièreté d'une population en amont des services d'intervention psychosociaux de première ligne, c'est un changement en soi. Donc, c'est un changement qui est logique, mais c'est un changement qui est à orchestrer tranquillement. C'est pour ça que M. Dornier a eu des phases préparatoires avec des très petits groupes d'étudiants. Puis maintenant que les premières phases préparatoires sont faites, il y a un déploiement qui va se faire à l'entièreté de la population. Puis déjà, avec le petit groupe qu'il y a eu, il y a déjà eu des référencements vers les ressources d'aide. Donc, ça fonctionne. Chez nous, c'était totalement un feu d'artifice avec les premières. Lorsqu'on a appris qu'Ali avait référé vers des ressources d'aide psychosociale, c'est son but, son objectif comme être technologique. C'est vraiment d'accès là-dessus. Mais les deux milieux ont maintenant accès aux deux technologies. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Il semble que non, ce qui va nous amener vers la fin de cette conférence de presse. Je précise quand même aux médias que si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec les services des communications des deux cégeps. Pour le reste, bien, je remercie tous nos intervenants. Merci à vous tous d'avoir été là via Zoom. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont suivi la conférence de presse sur Facebook. Alors, merci et bonne fin de journée. Merci. Ouais.